I don't even know why I'm fixing you a sweet car. Don't ever touch my brother, losers! Ground! What? Name's Brody. I'm kind of an online traveling journalist. Let go! Brother! Listen, I know what happened with you guys in Seattle. You should do what you think is best. Les infos. Oh fuck. Our dad is dead. Why? What are we gonna do now? Maybe we could go to Puerto Lobos. Where dad grew up, you know? Bonjour YouTube. Et oui, on est de retour sur Life is Strange parce que l'épisode 2 vient de sortir cette semaine. On est le je sais plus combien. On avait fait le premier épisode le 30 septembre 2018. On est en 2019, en janvier. Le chat va te dire quel jour on est exactement. Et en tous les cas, on va faire la suite de Life is Strange. J'ai fait le petit résumé pour les gens qui sont sur le stream. Vous aurez le précédemment qui est si bien fait dans les vidéos de Balrog. Un truc qui me prend vachement de temps à faire, mais que je fais parce que voilà, c'est plus mieux, notamment pour Life is Strange qui est un peu longué, on va dire. Et il faut bien se rappeler l'histoire, vu que c'est un jeu à histoire. Et donc on va repartir, affronter les terribles événements qui nous attendent. Allez les gens, on est parti. Il clique pas, il fait... Ah oui, il y avait aussi à la fin du premier épisode, vous rappelez-vous, il y avait l'entraînement en mode Jedi, en mode Yoda. Soulève la pierre, soulevez la pierre, tu peux. Continue à tenter, tu feras. Jusqu'à soulever la pierre, tu atteindras ton objectif. Il y avait ça à la fin du premier épisode, après le générique, rappelez-vous. Du coup, on sait que le petit va réussir à maîtriser ses pouvoirs, qu'il va devenir Jedi, qu'ensuite il va devenir donc avoir le côté obscur, côté clair de la force qui vont le tenter, qu'il va devoir choisir. Donc s'il part du côté sombre de la force, on va arriver dans une histoire classique, étoile noire, des choses comme ça. Par contre, s'il part du côté clair de la force, là, ça sera plus... Ce sera une histoire plus différente, peut-être qu'il arrivera à avoir des enfants, voilà. Bon, bah après, il faut qu'il fasse attention aux objets tranchants, forcément, pour pas perdre sa main. Mais bon, ça, c'est une autre histoire aussi, n'est-ce pas? Et bonsoir aux gens qui sont en 3000, tout à fait. Chark qui a une bonne idée, le petit requin. Parce que peut-être que quelqu'un est en train de regarder en l'an 3000 cette vidéo, même si je pense qu'en l'an 3000, il n'y aura plus YouTube. Mais on sait jamais. En fait, on sera peut-être tous... Ce sera peut-être YouTube ou Google qui gouvernera le monde, tu sais. Les pays auront disparu, il n'y aura plus Google qui gouvernera le monde et qui dictera ce qu'on doit faire dans nos vies. Allez, on est parti. Voilà. In a wild, wild world, there were two wolf brothers living in their home lair with their papa wolf. They all lived happily together, but one day, hunters took their dad away. Forever. So now the brothers were alone, and they had to find a new home. They started a journey through the great big forest. The wolf brothers wandered for days and nights, learning how to live on their own for the first time. They slept in the backwoods among creepy creatures and barely ate anything. They eventually found a peaceful orchard and were able to eat in peace. But they didn't know. Hunters tried to tie them up, but the wolf brothers managed to escape with the help of a friendly bear. He showed them how to survive and helped them find a warm camp for the night. That's when the big brother discovered that the little one was not an ordinary wolf, but a super wolf. That's how they found themselves even further, headed to the faraway land of their pop, where they hope to find peace. Perso, je préférais mon résumé. Je dessine pas aussi bien, faut le dire.
À nos grands-parents. Ok. 1er décembre 2016, forêt nationale de Willamette. Je sais pas quoi. Ah oui, ils avaient récupéré un petit chien aussi. Oui, exact, ils avaient récupéré un petit chien. Je sais plus comment ils l'ont appelé d'ailleurs. Quelqu'un se souvient? Try with this one. That one's too easy. Look. Don't brag. It was too heavy for you a few days ago. Okay. Let's try to lift something else. Not too heavy, though. I'm a little. Le chien? I'm so glad Daniel took this little girl with us. I'm so glad Daniel took this little girl with us. I'm so glad Daniel took this little girl with us. Ah. Not your usual shooting range, right? Ah, il a fait éclater les bois de conserve, d'accord. So Sean, what should I try now? Wait a minute. I'm gonna show you something you can try to lift. Attends, il m'a foutu en anglais ce con. Ouais, j'étais en anglais, j'étais en converti. Pour ça, je comprenais pas, ça bougeait pas. Sometimes he looks so scared of himself. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? We need to work this through. Ok, on va par là. Oh. Welcome to Telekinesis 101. Please don't kill your teacher. Dude, it's... Hello, Sean. Do you draw me? Yes. Just let me think. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? You could try and lift mushroom. Are you kidding? I don't want to hurt her. Yeah, yeah, you're probably right. Let's leave the puppy out of this. How okay. About those cans? Can you fly them all together without dropping any? Sure, look. J'ai détruit. Facile. That's awesome, dude. You're getting way better at this. Okay. Let's show Daniel some more stuff to play with before we call it a day. How about trying out that rock over there? Just one more time. We already tried yesterday. And the day before. It's too far. I can't reach it. Just one more time. Oh, I'm so close. I can feel it. Bah celui-là alors. How about that one? I can do it with the small rocks, but not the big ones. Dis-moi content, hein. You can do this. Trust me. Just relax. Focus. I'll try. Whoa.
Holy shit! I did it! Like a boss. You're getting good at this. You see that mushroom? That was the biggest rock ever. Come on, dude. That's just the start. Let's try something else. Cool. You're like Coach Aaron. You're my power coach. A snowball fight? Not yet. This is a new exercise, young apprentice. See if you can stop this in the air. Cool? Okay, but you better not hit me. Like that time you gave me a bruise? Serious. You won't let me, right? Try it. Aw, that sucked. How about one more? Ah, lui, on voyait en pleine tronche. Ah ouais, attends. Ready? Attends, voilà, comme ça, en pleine tronche. You suck. I said don't hit me, jerk. Sorry, I thought you would stop it. Serious. Du coup. Yes. Look what I can do, Sean. I knew that you could. I've taught you well. But you, you're a master student. Damn. Hey, that still sounds nasty. You're not getting better. I told you. I'm fine. Just a little beat. Well, you need to rest now. Superhero. Can we go back now? Yeah. Let's just fill up the canteens before we head back. Ok. J'ai bien comment il fait, toi. I really don't like that. I told you. I'm fine. We've just been outside for a while. C'est pas le jeu le plus joli, le plus HD qu'ils ont fait. Enfin, qui se fait sur le marché, le moteur commence à déter un peu, mais franchement, ils font point de vue touche artistique, il est franchement joli quoi. Ils ont un cachet sur la manière dont ils font la mise en scène et les couleurs et tout ça qui est franchement vraiment sympathique. Qu'est-ce que tu fous, champignon ? Finding that house was a miracle, but I'm afraid we can't stay here much longer. Here we go. Yo, César. The Hella Tanker is over the wildfire zone. Get ready for water extraction. Ranger Diaz. Lazy Ranger. I told you not to bust out your power whenever... Sean, the water's fucking cold. Oops. Sorry. I said fucking. Yeah, dude. Watch it. Seriously. Okay. J'ai pas bien dire des vies d'un mot. Oui, j'allais dire mushroom. Oh, putain, mais arrête de causer. C'est cool de dire mushroom, mais champignon, ça, une fois que tu le traduis, c'est pas top, quoi. C'est pas top, champignon. Comme nom. Même si t'as... Oh, un petit arbre de Noël. Un petit sapin. Qu'est-ce qu'il a fait, l'autre? Ils ont fait. Là, je croyais qu'il allait me dire un truc. Where are you going, pup? Wow, Sean, look. What? So cool. Daniel's getting cold. Champignon, trouve un cerf. What? Pas de cerf là. You getting hungry? Not really. Really? On va rentrer. Hungry. I can. You eat like a bear, but you don't gain any weight. That's because I work it off.
Et du coup, dans Captain Spirit, qui était le petit épisode gratuit qu'il y a eu avant la sortie de Life is Strange 2, le petit blond, en fait, il n'avait pas de pouvoir, c'était Daniel qui le faisait léviter. Parce que Daniel était son voisin. We really nailed it with his two-headed snow ogre. C'est clair. Il est où? C'est une porte. We had to use Daniel's gift to break in. Cold. Don't worry. We'll make a fire. We're pros now. Dude, that cough doesn't sound too good. Nah, I'm okay. Just cold. You kicked ass today. Level up. I did. That was so cool. It's getting easier every day. Oh no, Sean. This is a haunted house. More like, uh-oh, it's time to go over the rules. I told you about showing off. I was just... Whatever. Dude, I know the rules. Let's find out. What's the first one? Hide your power. If you spin one plate in a diner, what happens? People will freak out. And when people freak, what do? They call the cops. Exactly. The second rule is... Don't, never talk about it. Wow. Nice, Daniel. Because that's usually the hardest rule. J'ai mis son sweat au grand frère. Shut up. And the final rule? I know. Come on. You can do it. Okay. Avoid danger? Run from danger. This is the most important one. You know why? I don't know. I mean, with my power, I can help us. Seulement un dernier recours. Total last resort. How will I know that? If there's any other way of helping, do that first. Maybe if I had used it before, Dad might still be here. Ou alors t'aurais été tué par le flic. Daniel, it's my fault. I shouldn't have let you alone outside. But I didn't help. I didn't do anything. Because you couldn't. Don't worry, Mushroom. I'm okay. Good puppy. She must be hungry. What about you? I'm always hungry. Then let's grub out. I'll make us some dinner. Yeah. Before she eats us. Faut qu'on fasse à manger. Hey Shroom. You thirsty? De rien. C'est une fille ou un gars? C'est une fille. Daniel must have been pissed that day. Don't blame him.
Ok. Papa et Maggie et John, un gars de fou l'été 93. Poor guy. I guess kids have to grow up anyway, right? Coucou papa, ta fille t'envoie le bonjour de Miami. Oui, il y a du soleil et il tape fort, j'adore. Tom connaît tout le monde et je m'attends toujours à rencontrer Scarface. On est dans la part de dingue de son ami. Il a un balcon et vu sur la mer, j'ai l'impression d'être pourri gâté. Mais je sais que John est dans un château dans les Alpes, alors je ne m'en fais pas. Et puis, je me plais vraiment ici. C'est une belle manière d'entamer le nouveau siècle. Nos vacances au chalet secret me manquent, mais pas dans les ratons laveurs dans ma chambre. J'espère que tu pourras passer nous voir après l'été. Je t'aime, Maggie. Ok. Donc ça, c'est les anciens habitants Pourquoi il n'y a pas de cigarettes? Du chalet, n'est-ce pas? I wish I helped Dad more with the house chores back then. Wish I had more than tobacco, to be honest. Oh, the space scuba is hovering on a dead planet. There was a little bit left when we came. Pretty disgusting, but helps staying warm. What sadistic steam do you have? Et picoler un peu, loulou. Couteau de papa. I hate it when I hear Daniel crying at night. T'es sympa le père en plus. I can't do shit. On n'est pas dit qu'on devait faire du feu? We scored with these clothes. Plus 5 street cred. He's definitely a fast learner. Non, 10, première leçon. La bouteille vole. C'est quoi Twigs? Brindy. Ah oui, c'est brindy et feuilles. Petit rocher, gros rocher, boule de neige. Cool. Ok. Progressez vite, n'empêche. The guy who came here sure had time to kill. We're so lucky this thing is still working. Wouldn't have lasted long without heat. Pictures of alien species. J'aurais pu faire un grog en plus, il avait resté du scotch au petit, j'aurais pu faire un grog. Where did I put my lighter? Ah! Mais c'est pas moi qui l'a. Hein. C'est chiant, on a perdu le briquet. Mushroom clung to Daniel on the first nights, but now she loves her bed by the fire. Thank God, kids used to spend vacations here. Daniel would have been mad without these. On cherchait un briquet, les gens. Vieux téléphone, on a peut-être pas besoin. Can't believe how much Daniel's powers have improved over the last weeks. Bah, il y a des médicaments là. No way I can give any of these to Daniel. Ah bon? Too risky. Ah, parce que tu sais pas la date de péremption. Once you get used to squatting, it's not so bad. Ah, ils font dans un seau. Ah bah oui, parce que les chiottes marchent pas s'il n'y a pas d'eau. Bah oui. It feels weird to loot other people's clothes, but we need the warmth. Mais j'en ai rien à foutre d'ajouter de l'eau. Peut-être cassé. Faut qu'on trouve un briquet, les gens. We never found the key to this door. Ah. I guess using the sliding door is cool. Ah, c'est la porte d'entrée. D'accord. This room is fucking cold, so we put everything we didn't need in it and. Ça, c'est trop cool. Gotta love one hit wonders. Ok. Yeah. Daniel doesn't need to see this. Cher Monsieur Patrick, il nous occupons pour vous rappeler que votre séance de chimiothérapie au centre de soins Hope est prévue le 8 septembre à 14h. Venez les informations. Waouh, c'était qui lui? C'était le type qui habitait là. Il y avait une chimio à faire, donc il avait un cancer. Sympa.
No excuse not to binge read. Of course. He's the town fucking hero now. La police enquête sur une intrusion commise par deux fugitifs soupçonnés des responsables. Ah, c'était le mec chelou qui les a, qui a essayé de les emprisonner. Hank Stamper, citoyen exemplaire et propriétaire d'une station service située sur la 5, a déclaré qu'il avait pris les deux frères Sean et Daniel Daz à partir de. À la suite du vol présumé d'articles de son magasin. Stamper a dit à la police que les frères Diaz s'étaient enfuis dans la forêt. Oui, j'ai eu peur. Les enfants sont fous de nos jours, vous savez. Oh l'abruti, quoi. Le connard, le fils de pute, quoi. Je te jure. Ça, c'est quoi? La famille de l'agent tranquille. Tué! Il est bien mort. Il faisait pas semblant. Ashley Mathieu, sœur de l'agent Philippe Mathieu, l'une des deux victimes du mystérieux incident qui fait polémique à Seattle, s'est exprimée au sujet des menaces qu'elle a reçues et de ceux qui critiquent la policier en ligne. Mon frère était quelqu'un de bien, cela ne faisait que 6 mois qu'il était dans la police et il n'aurait jamais dû être seul ce jour-là. Je suis de tout cœur avec la famille Diaz et toutes les victimes de ce terrible incident, nous y compris. La police doit disposer d'un meilleur budget afin qu'aucun agent ne doive patrouiller seul lorsque son partenaire est malade ou absent. Philippe a passé sa vie à les autres, particulièrement les enfants en danger, et il a toujours donné de son temps en tant que bénévole. Il est facile de juger et de lancer des attaques cachées derrière un clavier, mais nous pleurons la mort de ce courageux fonctionnaire autant que celle de toute autre victime. Ok, donc le flic est mort. Ah ben voilà. Time to get warm. Connard. Wonder where Brody is now. Oh yeah. No internet. Ah, c'est la lettre de Brody. Crayon de couleur. Dead for a week. Ah, elle est morte. But at least we got some news. Ok. Putain, ça aurait été trop cool de pouvoir faire ça. On va allumer le feu. Here we go. Hold on, Mushroom. We're gonna build a fire. Dang, I am starving. Guess it's time to start cooking. Faut jouer une casserole ou un truc. Tough choice. C'est toutes les mêmes en fait. C'est là. Voir, c'est des boîtes de conserve surprise. I'll talk to Daniel after dinner. Hey, what are you cooking? Oh, I'm sorry. Here's your menu choices. Ravioli or ravioli. Okay, okay. So tired of eating the same shit. I just want one slice of pizza. Moi je fais pour Danou, il a ça, une casserole propre. Ah bah elle est là. Daniel needs to eat something after all that psychic crap. It's warming up. So, so good. I wish we had a big fireplace. Like in Seattle. Remember? Of course I remember. You always got sick on s'mores and ruined the toilet. Yeah. I missed that time. I know. C'est cuit? Ouais, c'est cuit. Ok, dinner's ready. Getting sick of ravioli. This is real food. It's better than nothing. I'm just tired of the same thing.
Do you want it, Mushroom? Bon appétit, Mushroom. Man, she loves this stuff. Il faut qu'il mange le petit aussi, ça. Ah oui, c'est vrai qu'il a son pull raton laveur, c'est trop cool. Ça. Il a pas l'air en forme, hein. I'm cool. Hold on. I need to show you something. Okay. Gotta show him the map. I think I left it with my books. Nothing here. C'est pas là. Daniel, what did you do with the map? What do you mean? You know what I mean. Where's the map that was with my stuff? Oh, this map. It's in my tent. Sorry, Sean. Okay, come on, doggy. Let's go, girl. After all I've done for you, really? Shroom. Okay, Mushroom. Thank you. I get it. You're the boss. Sinon. Time to play dad talk. Sean, there's someone at the door. What the? When did he show up? I don't know. I just saw him now. What? Y'a quelqu'un? Sean, I'm scared. Don't worry, Inanno. It's probably just someone lost. Can we help you? Daniel? Yeah. Okay. Good job. En fait, il a fait léviter une couverture devant la fenêtre, petit con. Of course I did, man. Anyway. Petit con. Bon, vous êtes quoi? Il va perturber le con. Je croyais qu'il y avait vraiment quelqu'un, bordel. Qu'est-ce que je fasse? I actually like having only candles. Kind of soothing. Posez la carte, voilà. Il me perturbe. Yo le vap. Ok. I think it's time for us to hit the road. You're not getting better. We're almost out of supplies. No. I'm okay. It's just a cough. Yeah, a bad cough that won't go away. Trust me, Daniel. You need some medicine. Look. Here. Beaver Creek? What's that? That's where Karen's parents... our grandparents live. Okay. So what? So we can go there and... they'll probably help us. Why do you always force us to run, Sean? What if they don't like me? Ouais, c'est une mauvaise idée parce que les flics ils vont certainement surveiller les grands-parents quoi. C'est une mauvaise idée. Don't think that way. It's not like we have tons of options. Okay. I'm just scared they're gonna think I'm a freak or something. Man, they're gonna love you. Grandpa's super cool and
I'm sure you guys will be best buds. Well, okay. But Mushroom has to agree too. She's part of the team. What do you say, girl? Okay, when? Tomorrow. The sooner the better. We have a long road ahead. We should do something fun for our last night here. How about a game of dice? If I win, I get the draw on your backpack. You know I'm gonna win and draw a dick on your bag, right? I don't think so, loser. Party time. Okay, ready to lose, Captain? Watch your butt. Bien, hein, Saitam, hein. Ah. Here we go. Just need a 6, a 5, and a 4. Okay, got a ship. It's better than nothing. This ship is mine. Come on, 5. Still incomplete? Jeez. Sounds like a no score. Il me reste un lancé pour avoir l'équipage. Il faut que je fasse un 4, les gens. Parce que j'ai le bateau, j'ai le capitaine, mais j'ai pas l'équipage. Donc il faut que je fasse un 4. This is my last chance. Don't fail me. Yes. Full ship yes. And cargo. What are you gonna do? You just lucked out. High score. Here you go, cargo. How are you gonna beat that? Good luck beating that, matey. Don't worry about that. The dice are yours. Good. Come on, my turn. Can I get something better this time? Sheesh. I need a ship. Give me a 6. Ouais, c'est ça, c'est clair, c'est dangereux yes. D'avoir un petit frère qui. What the hell? Hein? Eh oh! Eh oh, petit con là! Eh oh! Médé! Eh tu déconnes pas, c'est Médé là! Eh oh! Non mais tu les bouges pas, Médé! Non mais alors? Eh oh! On touche pas Médé? Non mais ça va pas, non? Oh! You kidding me? I can see the dice rolling, dude. What did I do? You're just finding excuses. Stop cheating, man. You gotta be better than this. Especially now. Whatever. Excellent. Dis con. Okay. Give me a 6. Still incomplete? Jeez. Sounds like a no score. You think? Ooh, look at these scores. Told you I win. You know what it means? Yeah, okay. You can draw a dick on my back. let me think. On fait quoi les gens? On fait quoi les gens? On dessine un loup ou on dessine une bite sur son cas? Un loup ou une bite les gens? Allez, choisissez dans le chat, allez! Vous voulez qu'on dessine quoi sur le sac de Daniel? Ton petit frère quoi. Mais faut être sympa sinon il va se venger. Et un loot c'est so cute. Ah, hein. Oh, pas rigolo les gens. Oh là 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 là. Une teub de loup. On peut faire une teub de loup, ouais. On va dessiner un loup alors. Hold on. It's not an easy one.
needs concentration. Ta-da! Whoa! It's so cool! Thanks, Sean. So, let's do another one? It's bedtime. Gotta get up early. I'm gonna finish my comic book. She has to pee. Okay, okay. I'll take her out for a walk. You're going to smoke. Gross. You're right. Don't smoke. But it's our last night, so we can do anything. All right, all right. I heard you the first time, dude. En plus, c'est le orange, sa clope. Essayer de soulever le caillou. Bouge. Et bouge le caillou. Ah bah non. J'aime vraiment le côté, la touche artistique qu'il y a dans le jeu, j'adore quoi. À chaque fois, la scène, la mise en scène, l'angle de caméra, tout ça, c'est nickel, quoi. C'est les couleurs, tout, c'est... À chaque fois, c'est nickel, j'adore. Et lui, il a pas de couverture. Ils ont rangé toutes leurs affaires, ils vont partir. Hey Daniel, how are you doing? It sucks. I'm coming. M-
Mushroom wants to go out. Don't you hear? Yeah, sorry. Move. So, what's going on? It doesn't fit in. There's too much stuff. It's fucking bullshit. Hey, cool down. It's gonna be okay. I know. But... What did you pack in? What the f- Dude, you can't fit the whole room in. Don't worry. Your super strong big brother can help. Awesome. Thanks, Sean. Well, looks like we're almost set. Where's Mushroom? Il dort. Still peeing, I guess. I'm gonna check what she's up to. Okay, I'll fill up our bottles and I'll catch up with you guys. Okay, all done. Where the hell is he? Ouais, ça m'inquiète aussi. Il se passait un truc là. Va voir, va voir, va voir. Cours. Daniel. Champi. Daniel. Champi. Hey, you out here? FBI. Daniel. Where is he? Qu'est-ce qu'il a fait ce con? We have a two-day walk ahead of us. Better get going. Il est où? Daniel, where are you? No, I have to find Daniel and Mushroom. Putain, ils sont où ces petits cons? Oh, il y a du sang. What the fuck happened here? Mais what?